Bonjour Alice. Bonjour Soulé. Comment vas-tu? Je vais bien. Si. Mais Alice, dis-moi, comment fais-tu pour être toujours aussi coquette et charmante? Grand frère Soulé, oui? Merci pour tes compliments. C'est vraiment gentil. Depuis longtemps, j'hésite à te faire un aveu. Ah bon? Oui. Quel est donc cet aveu? Accompagne-moi d'abord à la buvette, je vais t'offrir à boire. Ah là là, je suis vraiment désolée. Hein. J'ai un rendez-vous urgent tout à l'heure avec maman. Bon, je vais droit au but, Alice. D'accord. De toutes les déesses, tu es la plus charmante, la plus aimable et la plus belle. Ne sois donc pas étonnée si je te déclare mon amour, Alice. Hé, hey, Soulé. Oui. Tu me surprends, hein? Tu ne dois pas tenir un tel propos. Tu es mon frère, hein? Ah, vraiment. Alice, en amour, seul triomphe le langage de la vérité. Alice, je t'aime. Je t'aime, Alice. Qu'y a-t-il de mal à cela? D'accord, j'ai compris. Ouais. Je vais réfléchir et te donner une réponse plus tard. Alice, ok? Alice, je souhaite de tout mon cœur que cette réponse soit vraiment positive, Alice. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, je vais bien physiquement, mais pas moralement. Et qu'est-ce qui ne va pas moralement? Maman, j'ai besoin de tes conseils et de ton aide. Prends la chaise, viens t'asseoir. Je t'écoute. Je sais que comme toute mère, tu t'intéresses à la vie de ton fils Abou. Quoi de plus normal? Maman, Ibarone, moi j'ai toujours rêvé de fonder un foyer avec l'homme de ma vie. Et cet homme, c'est Abou ton fils. Maman, si Abou est l'homme de ta vie, as-tu vérifié si tu es la femme de sa vie? La femme de sa vie? Mais on s'attendait bien. Maintenant, vous ne vous entendez plus. Abou se trompe sur mon compte. C'est la raison pour laquelle je veux que tu lui parles. Que veux-tu que je lui dise? Que je suis prête à tout pour être sa femme. La mère de ses enfants. Ta belle-fille. Ah, maman. Vraiment, je pense que tu danses plus vite que la musique. Il faut essayer de t'entendre avec Abou d'abord. Maman, mais tu es sa mère. Si tu lui parles, il va t'écouter. Je t'en prie, aide-moi. J'ai tout compris. Mais je ne te promets rien. D'accord. Bon, maman, moi je demande la route. Bien des choses à ta famille. Merci. Quelle époque! Nikabakoui. Bon, d'accord. Vous allez vous habiller ici, ensuite vous passerez par la porte. Moi, je vais assurer les arrières ici, d'accord? Bien. Oui, chef. Sarah, nous allons manger vers 14h. Mais avant, as-tu quelque chose pour moi? Je vais chauffer les restes de la viande que vous avez amenée hier soir.
Ah, Sarah, vraiment, tu es un ange. S'il vous plaît. Aie pitié d'un pauvre mec. Donnez-moi la part recommandée par le Seigneur. Mandja, que Dieu nous aide tous. Tu peux partir. À la prochaine. J'ai soif. Puis-je avoir de l'eau à boire? Tu es sourd ou quoi? Elle t'a dit de partir? Les Noirs, c'est juste de l'eau qu'ils demandent. Si tu l'encourages, tous les mendiants du quartier vont se donner rendez-vous ici pour boire. Hé, hey, dégage, va-t'en. Bonjour. Je viens du village. Je cherche mon frère. Hé, hé, hé. Mais, les Noirs, mais que se passe-t-il ici? Il se passe que des honnêtes citoyens comme nous ne peuvent plus vivre en pêche. Hein? Hé, hey, villageois, ton frère n'est pas là. Va-t'en. Il me semble vous avoir vu quelque... Oh là là, c'est un flic! Un flic! Arrête-toi! Je ne l'ai fait! Arrête-toi! Je ne l'ai fait! Voilà, là, je ne l'ai fait! Reste tranquille! Voilà, je ne l'ai fait! Je te dis de rester tranquille. Le mandia était un policier. La ferme! Voilà, Bila, je n'ai rien fait. Reste tranquille. Voilà, je n'ai rien fait, ça, reste voilà. Reste tranquille, je te dis. Voilà. Allez, avance. Je crois que c'est le dernier. D'accord. C'est le chef. Il est armé. Allez, embarquement, tout ce beau monde-là. Dépêchez-vous. Mais avance, avance. Avance, avance. Vite. Allez, allez, monte. Monte. Allez, dépêche-toi. Chers invités. Bonsoir. Nous vous remercions sincèrement d'avoir tous répondu à l'invitation de la grande famille Sako. Comme vous le savez ce soir, nous sommes réunis ici pour fêter le succès au bac de nos deux amis, Cheikh ici présent et Ali en France. Applaudissez pour eux s'il vous plaît. Cheikh va ouvrir le bal avec sa copine Aïcha. Viens ici Cheikh. Merci. Mes amis, on ne peut commencer la soirée sans que je ne vous présente le grand frère Soulé. C'est un peu grâce à lui qu'on est là ce soir. Oui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'aîné à mon ami Ali. Applaudissez très fort pour lui. Merci. Comme je sais que vous êtes tous branchés, alors sans plus tarder, je vous invite sur la piste de danse. Passez une agréable soirée. Merci.
Merci. Je vous remercie pour votre présence. Je pense que nous sommes tous là pour faire la fête. Je vous invite donc à vous joindre à moi pour faire le premier pas. Surtout, ne serrez pas trop. Sans, on y va! Ma chère, qu'est-ce que tu fais seule dehors? Je prends de l'air. Ah bon? Mais tu sais que ton discours est excellent. Tu as une très belle voix. Et puis tu parles du vrai français. Tu es belle, charmante, très ravissante. Ah, Drissa, dis-moi pour quelle raison es-tu avec cette fille? Mais je suis venue prendre de l'air seulement. Tu me laisses seule dedans et tu viens pour prendre de l'air dehors avec une fille? Donc tu t'étouffes avec moi? Aïe, arrête, tu m'étrangles. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de draguer de gauche à droite, Drissa? Je vous en prie. Ma soeur, je t'en prie, épargne-le. Je ne te perdrai pas plus de vue jusqu'à la fin de la soirée. Nous marcherons ton pied, mon pied. Avance. Aïcha, tu l'entends? Ton pied, mon pied. Cette fille est une vraie Amazone. Cheikh, elle a raison, hein? Ah bon? Pour faire marcher vous les hommes, il faut alterner les bâtons et la carotte. Ah, moi je préfère seulement avec la carotte. Cheikh, tu me vois, non? Je suis une vraie tigresse. Yeah. Ne me donne jamais l'occasion de prendre les bâtons. Ouf, attends. Ça, c'est mon morceau préféré. Allons-y danser. Pourquoi les sont-ils détruits? Je pense que c'est une manière à eux de montrer leur couleur et leur désaccord. Ah, vraiment. Corobono, on ne veut pas les faire de malais sur la chaussée. Alors, faites attention. Alice, comment peut-on montrer notre colère et dire que nous ne sommes pas d'accord avec la destruction de certains pays avec nos impôts et taxes? Ma chérie, la colère est une courte folie et elle ne règle absolument rien. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'impliquer les télévisions, les radios et la presse écrite. Comment cela? Que les animateurs et les journalistes expliquent à la population que les feux tricolores sont non seulement payés par nos impôts et taxes, mais qu'ils permettent d'éviter des accidents ou rendre la circulation fluide. Alice, tu as raison. Il faut faire cette campagne de sensibilisation afin que les accidents diminuent. Je vais te surprendre avec cette information. Quelle information? Ton frère Soulé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis plutôt ce qui risque de lui arriver. Il veut sortir avec moi. Il m'a même invité au restaurant, puis au nightclub. Non, ce n'est pas possible. Et il m'a donné 50 000 francs pour que je puisse m'acheter une robe. Mon frère Soulé. Au début, je pensais qu'il s'amusait. Mais à la fin, il m'a avoué son amour. Et que comptes-tu faire?
Bon, en tout cas, il faut vite agir, hein. Mais dis-moi, où est-ce qu'il a eu cet argent? Je ne le sais pas. Et si Soule avait ramassé notre argent? Ah, c'est possible, hein? Mais si je lui demande, va-t-il me dire la vérité? Bon, comme il dit, qui ne tente rien n'a rien. Bonjour chef. Bonjour. Kajawara. Bonjour chef. Soule Dafara. Omri, ça va? Ça va. Bon, aujourd'hui, ne soyez pas fainéants. Prenez toutes les dispositions nécessaires et soyez efficaces. Okay. Je vous ai allé. Soule Dafara. Prends. Il n'y a pas de problème. Ok, allez-y. Okay. Tiens. Ok. Si vous prenez l'as de cœur, vous gagnez. Le noir perd. C'est-à-dire le rouge gagne. Le noir perd. Qui veut jouer? Bleman, Orekaï, Fima Maï. Je dis bien l'as de cœur gagne. Le noir perd. Tu veux jouer? Et toi? Si vous prenez l'as de cœur, vous gagnez. Le noir perd, le rouge gagne. Qui veut jouer? Monsieur, tu veux jouer? Oui. Ok, venez. Je vais jouer. Tu joues combien? Je mise 10 000 francs. 10 000 francs? Oui. Ok. Voici encore 10 000 francs. Si tu gagnes, tu gagnes les 20 000 francs. Dans le cas contraire, tu perds tout. Ok? Blémankaï, Fima Maï. Blémankaï, Fima Maï. Blémankaï, Fima Maï. Blémankaï, Fima Maï. Prenez une carte. Attention, j'ai dit bien le rouge. J'ai très bien compris, monsieur. Ok. J'ai gagné. Oh non, oh non. Mais j'ai gagné. Hé, hey, il a gagné. Donne-lui son argent. Donne-moi mon argent. Ah, Wardama. Je suis honnête. Monsieur, tu as gagné. Ouais. Prenez votre argent. Je ne vais plus jouer avec vous. Hé, hey, monsieur, je vais jouer encore. Toi? Non, tu es trop fort pour moi. D'accord. Kaifi maman, blément Kaifi maman. Qui veut jouer? Il veut plus jouer avec moi là. Donnez la part de Dieu s'il vous plaît. Mankana illa kana lau. Ayadi alama. Anche, ala kisara. Mankana illa kana lau. Tiens le chef. Bien joué, merci. Mankana illa kana lau. Ayadi alama. C'est tellement facile là. Tu prends cet argent, tu joues, tu vas gagner. Je sais. Et nous partagerons le gain. Vas-y. Qui veut jouer? Qui veut jouer? Moi. Monsieur, tu veux jouer? Oui. Tu joues combien? 10 000. 10 000 francs. Ok. Voici encore 10 000 francs. Quand tu gagnes, c'est-à-dire si tu choisis le rouge, tu empoches les 20 000 francs. Dans le cas contraire, tu perds tout. Ok? Bleman Kai, Fima Mai. Blemani le Kai, Fimani Mai. Bleman Kai, Fima Mai. Attention! Si tu choisis le rouge, tu gagnes. Le rouge, hein? Oui, dans le cas échéant, tu perds tout. J'ai gagné. Regarde, j'ai gagné. Ok. J'ai gagné. Tu as gagné. Oui. Voici tes 20 000 francs. Mon portefeuille. Le colis est avec le chef. On m'a volé. Tiens, mais est-ce que ça c'est possible? On m'a volé mon argent. Mon portefeuille avec mon argent. Hé, hey, monsieur. Oui. Ne joue pas les plus malins avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Donne-moi mon argent. Ton argent là? Je t'ai dit qu'on m'a volé mon portefeuille avec mon argent. Tu me dis de te donner ton argent? Je te dis de me donner mon argent. Pas ton argent. Oui. Est-ce que tu me connais? Et toi, tu me connais? Monsieur, donne-moi mon argent. Ni manga wardia, ni mythique parallèle là. Non, wardia. Donne-moi mon argent. Tu oses? Donne-moi mon argent.
Il t'a dit là. Tiens. Va là-bas. Sondé. Bravo, mon frère. Si tout le monde faisait ainsi avec les triants, la vie serait plus paisible. Tiens. Je ne peux même pas dire à quelqu'un ce qui m'est arrivé. En plus, je ne sais même pas le montant exact qu'on m'a volé. Mankana ni laikana lao. Ayadi Alama, la part de Dieu, s'il vous plaît. Mankana ni laikana lao. Dépose-moi ça là-bas. Tu sais, ma chérie. Oui. Et les voies du Seigneur sont impénétrables. Ah. Imagine-toi, le vendredi dernier seulement, hein, j'ai payé 10 litres de lait que j'ai offert en sacrifice aux enfants. Ah bon, c'est bien. Mais c'était pour quelles raisons? Non, on a dit que ton ancien copain Ablo, là, il paraît qu'il était mort. C'était pour le repos de son âme. Pour la mort de Ablo? Ouais. Non, mais rassure-toi. Hein. Il est bien vivant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu sais qu'il m'a même menacé de renouer avec toi. Ça a fourré. De renouer avec moi? Oui. Ah, pourtant, j'ai dit à Ablo tout récemment que je suis une femme mariée. Et en plus avec un enfant. Donc, vous vous êtes vus? Non, je n'ai pas dit ça. Ah, alors, tu n'as pas dit ça comment? Tu viens de dire que tu lui as... Comment? Tu as même un enfant? Koro, tu viens de me confirmer ce qu'on dit des hommes cocus. Et que dit-on d'eux? Mais dans le quartier, il est le dernier à savoir que sa femme le trompe. Sigda bébé falat mon oko fait d'aller badon. Ladji. Ladji. Regarde-moi bien. J'ai l'air d'une femme qui trompe son mari. Mais Koro, est-ce qu'il est écrit sur le front d'une femme « Je trompe mon mari » Non. À vue d'œil comme ça, je ne peux pas reconnaître une femme infidèle. Mais si jamais tu vois Ablo en cachette, Hakoro, si tu vois Ablo en cachette, tôt ou tard, je le saurai. Nadji, hein? Écoute-moi bien. Tu as 3 femmes. Oui. Si tu es cocu, cherche la coupable. Ce n'est pas moi. Oui. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Alors c'est qui? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas, Ladji. Ah non, Koro, tu sais, de... Si ce n'est pas toi, c'est l'une de tes sœurs. Ou c'est Sital, ou Mariam. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas dit ça quoi? Je n'ai pas dit ça, Ladji, je ne sais bon, pas. Bon, d'accord, si ce n'est pas toi, pourquoi Ablo affirme qu'aucun homme ne pourra l'empêcher de te rencontrer et de te parler? Mon chéri, je jure que je te suis fidèle. Ladji, tu n'es pas cocu. Tu n'as pas les yeux d'un cocu. Tu n'as pas le nez d'un cocu. Même ton corps n'est pas cocu, toi aussi, allez. C'est sûr. Mais bien sûr, allez. Chante. Moussoulouyo Nkambe moussou dema Jafuru debe mousso bonya ko fawye. Mounye koro koyane, koro kangala e koro koyane, koro ninfi. Mounye koro koyane, koro ninkise e koro koyane, koro ninfi. Mounye koro koyane, koro nyekise e koro koyane, koro ninfi. Mounye koro koyane, koro ninkise e koro koyane, koro ninfi. Mounye koro koyane. Oh, ça, tu chantes bien, mon cher. Couchons-nous. Sinon, si tu fais le doigt à ton mari, tu iras en enfer. Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra.
Mère. Oui. Je crois que l'arbre est bien protégé maintenant. Bien sûr. On dit que celui qui a planté un arbre n'aura pas vécu inutilement. Mais celui qui l'entretient aussi a le même mérite. Merci. Mère. Oui. Tu sais que papa avait raison. À propos de quoi? Je ne veux plus de maman. Cette fille que je fréquentais. Tu sais, Abou, les unions bâties sur des intérêts ou sur le superficiel ne peuvent pas résister à l'épreuve du temps. J'épouserai Maï, la fille de Fatou. Tu te rendras compte, elle est gentille et respecte tout le monde. Dis-moi, Abou, pourquoi tu ne veux plus de maman? Mère, on dit que la confiance renforce et nourrit l'amour. Mm-hmm. Sans elle, il meurt. C'est vrai, Abou. Sans confiance réciproque, l'amour meurt. Je n'ai plus confiance en maman, ta belle-fille, ma femme. La mère de mes enfants doit être pleine de vertu. Mon cher, faisons comme tu le souhaites. Tu sais très bien que je serai toujours ton côté. Merci pour ton soutien et tes propos aimables. Bientôt, j'aurai un emploi et je vais l'épouser. J'ai l'ordre. 3, 4, 6. Voilà. Donc, j'ai le 3, 4, Soulé. 6. Bon, 3, 4, 6. Soulé. Soulé. 3, 4, 6. Eh, oui. Dieu est plus rapide que ses envoyés. Oui, oui, ce cheval aussi est très rapide. Le général de Pomo. J'avais besoin de toi. À quel sujet? Soulé, tu es le frère de Abou. Mm-hmm. Peut-être il t'écoutera si tu lui parles. Mais que veux-tu dire par là? Tu sais quoi, Soulé? Mmh. Moi, j'ai toujours rêvé de fonder un foyer avec l'homme de ma vie. Mmh, mmh. Et ce thème, c'est Abou, ton frère. Et Soulé? Maman, c'est Abou l'homme de ta vie? Vraiment, tu m'étonnes. Abou se trompe sur mon compte. C'est la raison pour laquelle je veux que tu lui parles. Bon, que veux-tu que je lui dise? Que je suis prête à tout pour être sa femme. Mmh. Oui. Bon, maman, je suis prêt à t'aider, mais à une condition. Quelle est cette condition, Soulé? Elle est acceptée d'avance. Tu sais, j'aime Alice, oui. Soulé. Je suis prêt à tout pour l'avoir. Maman, j'ai besoin de ton aide pour la convaincre d'accepter mon amour. Mais Soulé, Alice est la fiancée de Prince. Un policier. Mais maman, il y a certaines épouses qui abandonnent leur mari. Alice n'est que fiancée. C'est très facile pour elle de l'abandonner. Maman, j'ai besoin de toi et toi tu as besoin de moi. Aïwa, je ne promets rien, mais je verrai ce que je pourrais faire pour toi. Très bien. Maman, c'est donnant, donnant. Bonne chance à toi et à moi. Bonne chance. Merci. Va à l'ORTM. À l'ORTM? Mais pourquoi faire? Pour donner cette cassette à l'ORTM? L'ORTM est écouté dans le monde entier.
Ils diffusent par satellite et est sur internet. Au cas où ça n'y en taille. Oh, que c'est gentil. Vraiment, Maria, merci pour tes conseils. Mais je préfère l'écouter ici. Mariam. Pourquoi casses-tu ma radio? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je te fais? Hein? Pourquoi tu as cassé ma radio? Kourou, attends-moi. Je reviens dans 30 secondes. Haramou commentate. Maintenant, tu peux dire que j'ai cassé ta radio. Dis-moi, Mariam, pourquoi te donnes-tu un spectacle? Madame enregistre les causeries intimes de son mari, l'étale sur la place publique et accuse les autres de se donner un spectacle. Répondre au coup de pied d'un nan. Ça se mettre à sa place. Koro, qui est ton nan? Et qu'a fallu adjoindre? J'ai pas dit ton nom. C'est un adage de chez nous. J'ai pas dit ton nom. Ça vaut mieux pour toi. Si tu ne veux pas subir le même sort que ta radio. Alice. Oui. Vraiment? Ma situation est difficile. Je ne sais plus que faire pour avoir Abou. Maman, ta situation est difficile, mais pas désespérée. Réfléchissons à la stratégie adoptée. D'accord. Ah, Alice. Oui. Paye, la voici. C'est elle la maille en question. Dieu faisant bien les choses, voilà. Elle va venir nous trouver ici. Maï. Bonjour. Bonjour, Maï. Nous voulons te parler. C'est à quel sujet? C'est à propos de Abou, le fiancé à mon amie maman. Et moi, je suis pressée. J'ai un rendez-vous urgent. Pourquoi ne le laisses-tu pas en paix? Il est mon fiancé et j'espère qu'il va me marier. Tu es une femme, tu dois pouvoir comprendre cela. Je sais que chaque fille a une chance de se marier. Pour rien au monde, je ne laisserai pas la mienne passer. Mais Maï, tu es jeune et belle. Tu vas vite retrouver un autre homme. Laisse Abou en paix. Maman, il faut savoir quitter la table si l'amour est desservi. Abou ne t'aime plus. Sois bonne joueuse. Hey. Vraiment, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Wallahi. Maman, partons. Tu ne perds rien pour attendre. Tôt ou tard, tu récolteras les conséquences de tes actes. Je suis prête à tout. Quand et où vous voulez. Hein? Bonjour, Mariam. Ladji, dis-moi une chanson. Mariam, toi aussi. Je rentre chez moi, je passe la journée à trimer pour vous assurer le plus grand des conforts. Tu ne me salues pas, d'accord. Mais dis-moi une chanson. Une bonne épouse accueille son mari avec des bonnes paroles, Mariam. Avec de l'eau fraîche, afin qu'il puisse se soulager des fatigues de la journée. C'est vrai, je ne suis pas une bonne épouse. Ndjeranouyo, Ladji, dis-moi une chanson. Mariam, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui, mais ça, je ne chanterai pas, car je ne suis pas un griot. J'ai la preuve que tu es pire qu'un griot. La preuve. J'ai la preuve. Dis une chanson, c'est facile d'affirmer. Quelle est ta preuve? Où est-elle? Mounye koro kodiane, ye koro nye ki se ye koro kodiane.
koro ni fi munye koro ko ja ne koro nyingi sa ye koro ko ja ne koro ça va c'est bon non ça va n'ajoute plus un mot donc maintenant ta jalousie te pousse à écouter aux fenêtres comment tu as appris ça qui t'a informé ce n'est pas ton problème pour le moment chante Mariam ventre affamé n'a point d'oreille je chanterai mais après le repas Ladji, chante si tu ne veux pas d'histoire. D'accord. Chante des. D'accord, je ne veux pas d'histoire. D'accord. Wallahi Mariama, ma les redons, ah joli, les redons. Ladji. Si tu ne prends pas le droit chemin, wallahi Allah, tu viendras trouver ta maison en cendres un jour. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis cela, Mariam? Parle à ta Koro. Explique-lui que tu n'es pas pour elle seule, que tu es l'époux de deux autres femmes. Oui, mais Mariam, Koro le sait. Je n'ai pas besoin de le lui dire. Je n'ai pas besoin de le lui rappeler. Attends donc. Elle ne sait pas. Sinon... Elle ne casserait pas les oreilles avec les chansons de votre intimité. Là, Koro a tort. Elle n'a pas du tout raison, elle n'a pas le droit de faire ça. Mais elle ne perd rien pour attendre. Ikan Nadia, elle n'a pas le droit de faire ça. Elle ne perd rien pour attendre. Dis-moi, qui a chanté? Ce n'est pas toi? Hé, le vrai fautif, c'est toi, Ladji. D'accord, mais Koro viendra me trouver ici. Ça, ce n'est pas mon problème. Il fait bon de tourner à Bamako maintenant avec eux. Oui, mais tu ne peux pas dire autant de la route de Dabanani, hein? Ah là, c'est un cas. C'est un vrai casse-tête pour tout le monde. Pour les commerçants, les piétons, les motocyclistes et même pour les forces de l'ordre. C'est inquiétant quand même, hein, que ce trajet soit un perpétuel problème pour tous ces gens. Mais tu sais, Alice, au Dabanani, il n'y a pas de parking. Les gens se garent anarchiquement tout au long de la route. Les marchands ambulants occupent le trottoir, poussent les piétons à chercher leur chemin entre les pousses-pousses, les voitures et les motos. Mais vous, les forces de l'ordre, qu'est-ce que vous faites si les gens ne respectent pas la loi? Mais je t'assure qu'elles font de leur mieux, le plus honnêtement que possible. Tu es policier, raison pour laquelle tu parles ainsi. Mais non, je ne dis que la vérité. En tout cas, sur ce plan, tu es imbattable. D'ailleurs, changeons de sujet. Ma belle, tes désirs sont des ordres. Dis-moi, prince, pourquoi fait-on l'amitié avec un lépreux? Mais à cause de sa bague, car la maladie lui a arraché les doigts. Et s'il refuse de donner sa bague, soi-disant qu'il veut en faire un collier? Mais dans ce cas, c'est un égoïste, abandonne-le. Mais quel est le lien avec moi? Tu es policier et l'argent de notre groupe a disparu. Mais aide-nous à le retrouver. Si je refuse, je suis un égoïste et tu me quittes quoi? Non bon, je sais que tu n'es pas de cette race et que tu vas nous aider, n'est-ce pas? Je verrai ce que je pourrais faire pour toi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci chérie. Pas de quoi mon amour. Lève-toi, j'attends des invités. Non, je vais te parler, Abou. À quel sujet? Abou, sais-tu à quoi se mesure la valeur d'un homme? Cette question a plusieurs réponses possibles. Où veux-tu en venir? Si tu ne sais pas, je vais te le dire. La valeur d'un homme se reconnaît au respect de la parole donnée. En quoi cela me concerne? Abou, quand une femme perd tout son temps avec toi, pourquoi la laisses-tu au profit d'une autre? De deux, pourquoi ne veux-tu pas te marier avec maman? Soulé, la valeur d'un homme se mesure à sa manière de ne pas se mêler des affaires des autres.
Et quand tu vois ton frère sur une mauvaise pente, que dois-tu faire? Sur une mauvaise pente? Oui. Vraiment, ça c'est le monde à l'envers. Celui qui passe tout son temps à jouer au PMI veut donner des leçons de morale. Non, tu ne m'as pas compris. Je ne suis pas en train de te donner des leçons de morale. Mais je suis en train de te conseiller de revoir ta décision. Abou, marie-toi avec maman. Arrête! Elle t'aime, elle t'a toujours... Ça suffit, Soulé. Tu ferais un bon avocat. Surtout pour maman. Mais cherche-toi d'abord une femme. Et garde tes conseils pour les enfants qu'elle te donnera. Idiot. Mon Dieu! Imbécile. Salam alaikum, Karamogo. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Karamogo. Je suis inquiète et désespérée. Je vous en prie, aidez-moi. Il faut avoir la foi et croire en Dieu. Rien n'arrive que par sa volonté. Que puis-je faire pour toi? Karamogo, Abou m'a délaissé. Il veut épouser Maï. Et Balo n'arrête pas de me harceler. Je demande ton aide. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu voit tout. Le bon Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Prions-le. C'est lui seul qui pourra nous donner satisfaction. Donne-moi tes mains. Oh Dieu, faites que son cœur, son esprit et son corps la guident vers celui qui sera son mari. Amen. Faites que son cœur, son esprit et son corps la guident vers celui qui sera son mari. Amen. Tenez. Souffle dans le miroir 3 fois. Merci. Ok. Ndé? Oui. Aïwa, entre Abou et Balo, celui qui te rencontrera le premier, à partir de cet instant, sera ton mari. Aïwa, c'est Abou que je souhaite rencontrer. C'est lui que j'aime. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Amen. Karamogo, au revoir. Merci ma fille. Bien les choses en famille. Voilà. Koro, là, je ne suis pas content de toi. Hey, Ladji, hey! Comment? Hey! Je ne suis pas du tout content de toi. Pas du tout! Alors là, pas du tout content de toi. Comment peux-tu porter au vu et au su de tout le monde notre intimité? Ladji, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Tu te calmes et tu oublies notre secret intime. Et puis, sais-tu que bientôt la troisième guerre mondiale commencera? Quoi? Oui. La troisième guerre mondiale. Et qui t'a dit ça? Je le sais. Je le sais, Ladji. Et elle débutera ici, dans la cour de ta concession. Ah bon? Oui. La troisième guerre mondiale débutait dans ma concession? Oui, Ladji. Et pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Uh-huh. Ta femme Mariam a cassé mon magnétophone avec le pilon. Kourou. Kourou. Tu as beau ne pas aimer une personne, tu ne l'accuses pas de folie. Mm-hmm. Oui. Et pourquoi Mariam ferait-elle une chose pareille? Pourquoi? Parce que Ladji, Mariam pense qu'elle est la seule femme dans cette concession. Et c'est toi. Toi, Ladji, qui l'encourage sur cette voie. Moi? Toi! Toi! Mais, ah bon? Mais Ladji, sache que c'est la dernière fois. La toute dernière fois. Parce que je ne me laisserai plus faire. Plus jamais.
Si je perds le contrôle de ta famille, ce n'est pas ma faute. Ah bon? Oui. Hey! La seule personne qui commande ici, c'est moi. Et tant que je serai vivant, je resterai le seul chef de la famille Sako. À bon entendeur, salut! Que cela soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut bien respirer ici, à plein poumon? Cheikh, tu sais, avec le beau temps qui s'installe, mieux vaut en profiter. Ah bon? Oui. Tu dis vrai? Oui. Tu sais, l'autre jour, j'ai voulu passer chez toi, mais j'ai rencontré le vieux à la porte. Hey, qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris la tangente. Il ne fallait pas me voir partir. Tu es aussi peureux que ça? Bon, ici, on s'est reposé un tout petit peu. Ok. Charles, tu sais que tu es belle. Aïcha. Oui. Tu sais, avec toutes ces herbes et ces objets laissés au bord du fleuve, la promenade sentimentale devient difficile. Cheikh, laisse tomber. Dans la ville de Bamako actuellement, il y a plusieurs autres cadres agréables pour les promenades. En plus, ne te plains pas, je suis là à tes côtés. Ah oui, je sais que tu resteras à mes côtés pour longtemps, car nous avons eu la chance d'être orientés à la même faculté. C'est vrai, tu fais sciences juridiques et moi l'économie. Bon, tu sais, laissons les problèmes de l'école pour la rentrée. Et si on parlait de nous deux? Cheikh, dis-moi où. Tu te souviens du poème que tu m'as dit le premier jour qu'on s'est rencontrés? Oh, je me rappelle très bien. C'est gravé dans ma mémoire. Tu sais, ma chérie, depuis que la tangente de tes yeux, perpendiculaire à la bisectrice de mon âme, forme un angle de 90 degrés, car l'hyperbole et le parabole ont abandonné le domaine de Diop, moins de plus, pour devenir un véritable congrès réhabilitable. Tu te souviens vraiment? Tu sais que quand tu me regardes dans les yeux, ce que ça me fait? Mais toi là, tu deviens de plus en plus audacieuse. Qui t'a dit de venir t'asseoir à côté de moi? Parce que je veux parler de mon avenir. Tu veux parler de ton avenir même? Oui. Mais qui t'a dit de venir discuter de ton avenir ici? J'ai compris bien. Quand tu m'as violée, que tu feras toujours partie de mon destin soulé. Donc, j'ai oublié cet incident. Tu ne fais pas partie de mon avenir, moi, Kwasira. Soulé, tu as pris ma virginité. Donc, tu dois me marier. J'ai pris ta virginité, Tôt ou tard, il aurait fallu que quelqu'un d'autre le fasse. Alors, remercie-moi au lieu de te plaindre, Kwasira. Soulé, faisons le mariage avec l'argent des déesses que tu as pris avec moi. Bien mal acquis ne profite point. Je n'ai plus d'argent, tout est parti. Soulé, tu ne peux pas dépenser tout cet argent en si peu de temps? Tu blagues. Soulé, je t'en prie, faisons le mariage ou partons d'ici ensemble. Un dieu, quoi sera? Au lieu de causer avec les garçons,
Pourquoi ne fais-tu pas ton travail? Il coupe la nièce, c'est ça. Kabini Niabila, t'aime. Wallahi, si tu ne fais pas attention, tu tomberas enceinte et tu chercheras en vain le père de ton enfant. Bamako tewa. Abibolo. La bonne musique, hein? Hey. Bien sûr que oui, maman. Surtout ces morceaux-là. Attends d'abord. Fanta, il y a longtemps que j'hésite à te faire un aveu. Quelle sorte d'aveu? Tu es au courant de mes relations avec Abou? Bien sûr que oui. Et j'espérais devenir ta belle-sœur. Ma chérie, où est le problème? Le problème est que Maï l'a envoûtée. Et Abou pense à présent que je le trompe. Qu'as-tu fait pour prouver ton innocence? J'ai tenté de convaincre sa mère, ta marâtre citant de m'aider. Ma chérie, Abou est le premier intéressé. C'est lui qu'il faut convaincre d'abord. Mais Fanta, j'ai tout fait auprès de lui pour prouver mon innocence en vain. Mais il ne veut rien comprendre. Fanta, s'il te plaît, aide-moi. Je pense que tu dois gérer autrement ton problème. Que veux-tu dire? Maman, je te conseille de laisser Abou en paix. S'il veut se marier avec Maï, où est le problème? Il n'est pas le seul homme au monde. Fanta, tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Je sais très bien que Abou n'est pas le seul homme, mais c'est lui que j'aime. Alors, tu es libre d'agir comme bon te semble. Changeons de sujet. C'est dans. Oui, il a dit. Adumba, c'était délicieux. Bien mangé. Très, très, très bien. Il nous voit. Diarakoudou, c'est très bon. Bon, je crois que je vais partir maintenant. Ladji, je voulais m'entretenir avec toi. C'est pas parce que c'était délicieux que, tu vois, parce que vos entretiens là, ça a toujours fini par des problèmes d'argent. Non, ce n'est pas un problème d'argent, Ladji. C'est à quel sujet? Je souhaite voir mes petits-enfants avant de mourir. Oui, Bidaïwa. Tu es allé voir quel fétichiste ou quel marabout qui t'a dit que tu vas mourir bientôt? Personne. Je souhaite voir et parler à mes petits-enfants. Mais dis-moi, Sitan, toi et moi, nous avons fait des enfants. Ils ont grandi, garçons et filles. Et tu ne crois pas que c'est à eux de te faire des petits-enfants? Moi, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas te faire de petits-enfants, hein? Mais Ladji, je pense qu'il est temps qu'Abou se marie. Effectivement. Nous nous en sommes entretenus la dernière fois. J'ai oublié de te le dire. Ouais, effectivement. Ouais, le moment là. tu connais Maï, la fille de la voisine Fatou? Maï? Fatou, t'es où? Maï. Voilà. Il dit que c'est celle-là qu'il souhaite marier maintenant. Voilà. Donc, je lui ai dit de faire attention parce que un mariage ne se fait pas au hasard. On choisit toujours le lieu où on se marie. Il faut voir la lignée de la femme. Mousso Abokolo, c'est très important. Parce que tu vois, quand tu as un taureau, quand tu as une bonne chenisse, tu as de bons veaux. Bonne chenisse. Là, vraiment, c'est vrai. Tu sais, Ladji, il faut vite agir. Abou est ton premier garçon. C'est vrai. Et vraiment, il est temps qu'il se marie maintenant. Et pour une fois, tu as raison. Dès demain, je dirai à Balo de prendre des dispositions pour demander la main de Maï. Là, vraiment, ça me fera plaisir. Oui, parce que, tu sais, avec les enfants d'aujourd'hui, là, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Là, c'est vrai. Oumurti Mangoude. Ironique. Mais t'as pas la folle. Adjara. Merci. Katlé, Recha. Bonne journée. Merci bien. Souley. Oui.
Tu viens, je vais te parler. Ah bon? D'accord. Oui, je t'écoute, Tanti Kourou. Bien. Je vais droit au but. Qu'est-ce qu'il y a entre Kouassara et toi? Kourou, ça c'est une question Kaou Debou, hein? Tu m'étonnes. Kouassara est la servante de la maison. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir entre elle et moi? Soulé. Parlons le langage de la vérité. As-tu couché avec elle, oui ou non? Tanti Kourou, pourquoi tu ne poses pas cette question à Kouassara? Au fait, il est interdit de coucher avec elle? Non, il n'est pas interdit de coucher avec elle. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Soulé, l'autre jour, j'ai entendu ta conversation avec Kouassara devant la cuisine. As-tu couché avec elle, oui ou non? Si tu nous as vraiment écoutés, c'est que tu as la réponse à ta question. Oui. J'ai entendu ton aveu. Je sais que tu l'as fait. Tu dois la prendre comme épouse. Et pourquoi dois-je l'épouser? Parce que dans son village, une fille qui perd sa virginité avant son mariage ne peut plus avoir un mari. Mais si elle ne peut plus avoir de mari dans son village, qu'elle reste à Bamako, il y a beaucoup de singletons ici. Il y en a tellement de singletons. Soulé, elle ne cherche qu'à sauver son honneur. Épouse-la. Koro, dans ces pays, dis-moi sincèrement le nom d'une seule personne qui ne cherche pas à sauver son honneur. Ah, Tanti Kourou. Entre Abou et Balo, celui qui te rencontrera le premier, à partir de cet instant, sera ton mari. Mon Dieu, faites que le marabout Diallo se trompe. Maman! Bonjour, maman. Bonjour, Balo. Comment vas-tu? Vraiment, c'est toujours un honneur pour moi de te voir. Te rencontrer maintenant est une catastrophe pour moi, Balo. Nego Balo, pourquoi tu me cherches? Hein? Maman, toi aussi. Mais pourquoi tu es si sévère envers Balo? Parce que tu es responsable de tous les problèmes qui m'arrivent. Mais dis-moi quels sont ces problèmes. Je me charge de les résoudre. Je t'aime, chérie. Alors, va et explique à Abou que tu me courtises, mais qu'il n'y a rien eu entre nous. Maman, mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? Abou est le fils de Ladji Sakho. Donc, mon fils. Mon Ebola. Ah non, maman. Réfléchis un peu, je ne peux pas lui dire une telle chose. Balo, toi tu savais très bien que j'étais la copine de Abou. Et tu as eu le courage de m'avouer ton amour, n'est-ce pas? Mais maman, tu n'es pas encore sa femme. Donc moi, Balo, j'ai le droit de te demander en mariage. Balo, tu m'aimes vraiment? Mais je t'aime. Quoi de plus mal en cela? Maman, écoute-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ce monde pour te prouver mon amour? J'ai chanté, j'ai fait le cheval, j'ai dansé pour toi, maman. Je t'aime. Il n'y a aucun doute en cela. Balo, si tu m'aimes vraiment, je t'en prie, parle à Abou. Hein? Balo, qu'est-ce que c'est? D'accord. Maman, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ça me fera plaisir. Au revoir.
Mon Dieu. Fais que le marabout Diallo se trompe. Balo. Bonjour, tonton Balo. Ah, bonjour, Abou. Comment vas-tu? Ça va. Viens t'asseoir. Abou, ça va bien? Je te remercie d'avoir répondu à mon appel. Bon, je t'ai fait venir pour t'expliquer des choses. Voilà. Tu es jeune, c'est normal. Autrefois, les hommes ne s'affrontaient que dans les rencontres. Mais les rencontres étaient rares. Partout régnait l'état de guerre et toute la terre était en paix. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses ont changé. Quel est le lien avec moi? C'est pour te dire que le monde a évolué et nous devons suivre son évolution. Je t'appelle aujourd'hui au sujet de maman. Mais Balo, tu es l'ami de mon père. Ah oui, tout à fait. Tu ne peux pas faire ton époque et prétendre faire le mien sous prétexte que le monde a changé. Ah bon? Le soleil se lève et se couche toujours de la même manière. Fouille-moi, Yelmo. Ah bon, Abou? Tu veux me donner des leçons de sagesse? Tu prouves par tes propos que le monde a vraiment changé. Sinon, un petit enfant, un blagoro comme toi ne parlerait jamais ainsi à un adulte. Fade binofewa. Mais Balo, tu oublies que je t'ai surpris en causerie intime avec ma copine maman? J'ai été témoin oculaire. Et tu m'appelles aujourd'hui pour me parler d'elle. Justement, Abou, c'est pour t'informer qu'il ne s'est rien passé entre maman et moi. Abou, attends. Écoute-moi bien. Même si c'était le cas, elle n'est pas encore ta femme. Alors, tu poses. Si tu veux d'elle, nous allons commencer les démarches dès aujourd'hui pour avoir sa main. Non, merci. Je préfère une autre fille. Non, tu dis. Hey, ndinga savalde kanata ndu jide. Kanita du jide. Musoko ndu jide. Ne sois pas victime de ta fougue de jeunesse. Réfléchis bien, Abou, avant de décider. C'est déjà réfléchi. Merci vraiment. Vraiment? C'est non. Akuma Abana. Merci. Très bien. Et puis c'est que t'as ça. Bonjour. Fugata, fugata, fugata. Quand on doit bama, ça doit être notre diao. Et quand on est boule boule, maman colère. Avec qui man sahiri kabakene? Kamara kadega koni. Avec la pollution de la ville de Bamako, j'adore venir respirer l'air pur et frais au bord du fleuve. Ah, tu sais Alice, même le fleuve est pollué. À longueur de journée, les teinturières et les usines y déversent leurs produits toxiques, sans être inquiétés. Pourtant, nous sommes tous interpellés. Hein? Le fleuve est un bien hérité de nos parents. Nous devons l'entretenir.
le protéger avant de le restituer à nos enfants. Chérie, il ne faut pas être pessimiste. Tu sais, chérie Alice, de nature, je suis optimiste. Mais il faut que les gens changent de comportement. Sinon, nous allons tout droit à la catastrophe. Mes cigarettes, je vais aller les chercher dans la voiture. Oh, champion de la lutte contre la pollution, arrête de fumer. Sinon, ton organisme sera pollué. Tu sais, Alice, moi-même, je suis déjà pollué. Hey, donne l'argent, le portable et puis l'argent surtout. Donne-le tout. Et surtout l'argent. Allez. L'argent, les bijoux. Donne-le tout. Donne-nous rapidement. Allez, donne-nous les sacs là. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux faire le malin? Laisse, va voir. Hein? Tu vas voir. Viens, je veux voir ce qui est dans ton ventre. Allez, approche. Je vais te montrer ce que j'ai dans mon ventre. Laisse-moi alors. C'est pas interdit de voler ici. Lève-toi. Allez, voilà. Chef, pardon. Je ne savais pas. Tu ne savais pas qu'on ne vole plus les paisibles citoyens dans ce pays? Tu vas les réfléchir en prison. Allez. Pardon, chef. Laisse-moi partir. Partir? Oui, et je disparaîtrai à jamais. Ouais, d'accord. Tu vas aller disparaître en prison. Allez.